Yahoo, mon petit bonchat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau film d'animation. Je sais que ça fait une éternité, je n'en ai pas présenté. Et je vais te parler de Oko et les fantômes. Désolée, ça c'est à bouteille. Je ne devrais pas la laisser là. En ce qui concerne donc Oko et les fantômes, nous sommes sur une série qui est âge conseillé aux 8 ans et plus. Donc déjà, elle ira parfaitement à tout le monde. N'aie pas peur parce que c'est un 8+, comme quoi te dire que tu es un peu trop vieux pour ça. Parce que personnellement, je l'ai quand même regardé et si je te le présente, c'est que je n'ai pas non plus détesté. Mais ça, je t'en parlerai juste après. Donc en ce qui concerne les informations, réalisateurs, tout ça, je te mets tout à côté de moi. Tout simplement parce que ce ne sont pas des choses personnellement qui me parlent. Ce n'est pas des choses qui m'intéressent réellement de savoir qui est le réalisateur, etc. Tout ce que je te dirai, c'est que le film dure 1h20. Il est âge conseillé, donc aux 8 ans et plus. Nous sommes dans les catégories tranche de vie et fantastique. Donc c'est un bal des créatures pour le Halloween Manga Challenge. Et en ce qui concerne donc les informations, à savoir que c'est un film donc de Kitaro Kosaka, qui est donc le directeur de l'animation du film Le Vent se lève. Oui. D'ailleurs, à l'arrière, on voit qu'il y a une petite référence avec les studios Ghibli et Hayao Miyazaki. Donc, je t'en dis pas plus, mais sache qu'il y a quand même une référence là-dessus. Donc, on commence donc la vidéo avec mon avis sur l'ensemble du coffret DVD. Donc, moi, j'ai pris le coffret simple parce que je sais que j'ai vu sur le site de Manga News qu'il y avait 3 apparences différentes par rapport au coffret. Il y a même un coffret plus ou moins collector. Mais je prends chaque fois les plus simples parce que clairement je sais très bien que juste après je le revends, donc bon, ça me sert pas à grand chose. Donc voilà, en ce qui concerne donc ce DVD, ce que j'aime au niveau de l'illustration à l'avant, c'est qu'on va voir donc la jeune fille mise vraiment en avant. On a juste le titre qui est par-dessus, mais je trouve ça sympa. On a donc l'auberge vu que c'est le lieu phare où tout va se passer. On voit au-dessus d'elle des fantômes. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont en l'air. Donc, on voit très clairement que c'est des fantômes. En plus, ils sont en semi-transparence. Donc, on voit vraiment l'aspect fantôme directement. Et on voit aussi la petite créature qui est donc un petit démon qui est gentil, tout mignon. Mais on voit que c'est un démon parce que justement, il a ses petites cornes. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que du coup, on sait quels sont les personnages qu'on va voir dans la série, les personnages clés. Et on n'a pas du tout de surprise, du coup. Donc, ça, c'est mitigé. Surtout qu'on nous parle justement au niveau du titre Oko et les fantômes, et en fait c'est Oko et les fantômes, et finalement elle peut même voir les démons. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Pour ce qui est de l'arrière, je l'adore parce que c'est très mignon, on a toujours cet aspect un peu de transparence, même si c'est écrit en blanc, on a l'image aussi, mais on voit que c'est mis par-dessus, c'est légèrement transparence, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie. On voit la petite bouille de Oko qui est juste trop mignonne, de toute façon cette petite elle est vraiment trop chou, on a vraiment envie de lui passer son temps à lui faire des petits câlins, des petits bisous, tellement qu'elle est cute et qu'en plus son vécu est un petit peu triste, donc on a encore plus envie de la cajoler. Donc après les phrases d'accroche de revues ou de trucs comme ça, Télérama, Mad Movie et tout ça, moi personnellement ça me fait rien du tout de lire ce genre de phrases d'accroche de revues cinématographiques ou de sites, etc. C'est pas du tout le genre de truc qui me donne envie de lire ou d'acheter un truc, donc voilà. Le petit résumé fait sur un bandeau, simple, basique, voilà. 3 petites images au prix de la série, c'est sympa, mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas la grand-mère. J'aurais aimé qu'on enlève l'image où on voit la petite fille, la petite fantôme avec le garçon en fond et qu'on mette la grand-mère parce que c'est quand même le personnage clé de l'aventure. Après, Miss Froufrou, donc la fille en tenue rose, c'est normal, les 3 fantômes, ok, mais là pour l'arrière, j'aurais aimé qu'on mette la grand-mère. Gros défaut. Après, ce que j'aime aussi, c'est qu'ils sont restés sur ces couleurs rose et violet. Que ce soit pour le titre à l'avant, que ce soit sur le côté au niveau, enfin le dos du DVD, que ce soit à l'arrière pour les phrases accroches et les titres des trucs comme Télérama, le bandeau pour le résumé, les couleurs après pour la phrase réalisée par Kitaro Kosaka, directeur de l'animation pour le studio Ghibli, Oko et les fantômes vous plongent dans un conte magique et plein de tendresse dans la lignée des films de Hayao Miyazaki. Une histoire enchanteresse pour les petits et les grands. Voilà. Après, on a juste une petite information, le film de Oko, nanana, design, les informations sur qui a fait le design, le réalisateur, etc.
On a juste après le bandeau qui nous disait donc que le DVD était soit en son français ou japonais sous-titré et que c'est un film donc, de 90 minutes. Et puis après, c'est toutes les informations standards sans intérêt en dessous. Voilà. Donc personnellement, j'adore le rendu esthétique du DVD. Défaut, il manque la grand-mère, je trouve. Quand on ouvre le DVD, on a exactement la même illustration, sauf qu'au lieu que Oko soit vraiment devant l'auberge, elle est un petit peu décalée. Donc je trouve ça plutôt sympa et assez cool qu'on ait décalé Oko comme ça. Ça fait pas du tout la même illustration et c'est plutôt cool. Pour ce qui est de mon avis sur la qualité graphique, je te dirais tout simplement que je l'ai trouvée magnifique et très mignonne. Mais en même temps, quand on sait qui est le réalisateur, ça ne m'étonne absolument pas. Et quand on sait aussi ce qui a écrit donc à l'arrière du DVD, ce n'est pas du tout étonnant que la qualité graphique soit magnifique. Pour ce qui est de mon avis sur l'histoire, alors j'ai trouvé ça un petit peu dommage que ce soit un film d'animation et pas plutôt un animé, parce qu'on aurait pu avoir une suite, même si c'est vrai que bon, c'était en fait le but de la série, c'est vraiment que la jeune fille, donc elle perd ses parents. Et on nous montre sa reconstruction après et son évolution et sa façon de voir les choses par rapport à ça. Et comment elle fait pour affronter cette chose de perdre ses parents, surtout quand on est enfant. Elle a l'air d'être en primaire, donc c'est vraiment tout jeune. Et donc c'est ça que j'ai su apprécier au niveau de la série. Ce que j'aime énormément, c'est que donc on a la présence de fantômes et d'un démon. Un démon très gentil, ne t'inquiète pas, mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai apprécié l'histoire, j'ai apprécié tous les personnages. On développe bien l'ensemble, même si on développe surtout Oko et le petit garçon, le petit fantôme qu'on rencontre au tout début. Après, les autres personnages ne sont pas des masses développés, c'est un petit peu dommage. Sur un film d'une heure 20, c'est un petit peu normal aussi, mais j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'on ne développe pas certains personnages, certains détails, etc. dont, en fait, le film te donne envie à certains moments de connaître un peu plus tel ou tel personnage et on ne te les présente pas assez. Par contre, ce que j'ai aimé, c'était qu'on était sur, du coup, une jeune fille qui travaille finalement dans l'auberge de sa grand-mère et va résoudre plusieurs petits problèmes de personnes qui viennent séjourner justement à son auberge et j'ai trouvé ça très mignon. En soi, je ne vais pas t'en dire plus parce que je veux aussi que tu aies envie de découvrir ce film, mais sache que tout simplement, je l'ai surkiffé, c'est un méga coup de cœur. Non, pas giga hélas, mais quand même un méga, c'est déjà bien. Pour ce qui est donc de ce film, est-ce que je te le conseille ou pas? Ma réponse est oui. Est-ce que donc, par contre je tiens à préciser que même si c'est une série âge conseillée aux 8 ans et plus, n'oublie surtout pas que de base les films des studios Ghibli, je sais jamais comment faut le dire, je crois que c'est Ghibli. Toujours est-il que ce sont des films qui sont déjà visés, un public visé assez jeune et pourtant même si on est vieux on les adore. Donc personnellement je te dirais quand même de foncer et d'essayer. C'est juste une histoire sans prise de tête, toute mignonne, toute adorable et qui fait du bien au moral. Et en plus c'est parfait pour être dans le bal des créatures et donc participer au Halloween Manga Challenge sans forcément passer sur du bain de sang. Cette vidéo sur le film d'animation Oko et les fantômes est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. Je remercie les abonnés donc, qui sont sur Instagram car il y a quelques temps de ça, je vous avais demandé en apercevant le DVD si ça vous intéressait ou pas que je le teste. Vous avez été en majorité à me dire oui, achète-le et teste-le. Et donc je vous remercie parce que c'est grâce à vous que j'ai pu faire cette belle découverte, parce que personnellement j'hésitais vraiment parce que ça paraissait très enfantin et au final j'ai sûr qu'il fait l'histoire. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et j'espère te retrouver assez rapidement pour te parler de notre film d'animation, mais ça je te poserai aussi quelques sondages sur Instagram. En fait, ils seront déjà postés depuis un petit moment. Mais n'hésite pas à me rejoindre, surtout sur Instagram, parce que c'est là où je vous pose le plus de questions par rapport à ce genre de choses. Sur ce, à bientôt !